invités, les Twins, ils sont là, Larry et Laura, bonjour. On a cru que vous ne viendriez pas. Bonjour à vous deux. Ça va les garçons? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez dans les bouchons? Il dormait. Godzilla. Godzilla? Ouais, Spider-Man. Ils sont. En fait, vous êtes juste levé un peu tard, c'est ça? On est d'accord? Non, je me suis juste préparé. Ouais, voilà, d'accord. Ça va. Pas ça, Beyoncé, les gars. Les Twins, alors on va regarder votre fiche signalétique. Vous êtes originaire de Sarcelles. Depuis 2010, vous êtes partie de la troupe des danseurs de Beyoncé. En 2008, vous étiez finaliste d'Incroyable Talent. Vous avez été les vainqueurs du concours Juste Debout. Vous êtes mannequin. Alors qui est qui? Qui est Larry? Qui est Laurent? C'est lui, c'est l'autre. J'adore, c'est sûr. J'étais impressionnée. Laurent et Larry. Oh, tu mens. L'angoisse. Alors les filles, on est fans des Twins. Ah oui, ça c'est le talent absolu. Ce sont des légendes. Hein, ça tout. Complètement fan, mais complètement fan de leur histoire aussi. Parce que vous dansiez sur les Champs-Élysées, et puis c'est Alicia Keys qui vous a repéré, c'est ça? C'est pas ça? Si, c'est ça. Et Alicia, c'est tout. Comment ils sont au courant, quand même. Et Alicia Keys vous a repéré, le lendemain vous étiez sur scène avec elle, c'est ouais, ça? Ouais, au Zénith. Mais franchement, vous la voyez arriver. Vous regardez danser et elle vient vous voir, elle dit Félix, ouais, j'étais vraiment en train de danser avec, avec cette chose qui fonctionne même sous l'eau, un Walkman. Ce truc à cassette qui fonctionne même dans l'eau. Et il pleuvait en plus ce jour-là et puis elle m'a remarqué en train de danser devant le vieil Piron qui était aux Champs-Élysées avant. Et puis, elle m'a remarqué. Vous l'aviez fait pour vous faire reprendre? Non, moi, je dansais, puis il y avait ma petite casquette par terre. Moi, j'attendais au McDo. Et puis, normal, elle s'est arrêtée, elle a commencé à danser. Bon, je me suis tout simplement dit, c'est une personne vous qui a gagné de l'argent. Pas non, pas du tout. Un grand chapeau bien long comme Pharrell Williams. C'est pas anglais du tout, avant. Pas du tout. C'est le garde du corps qui m'a dit, elle veut que tu sois demain au Zénith ou quoi, machin, à Paris, là-bas. Waouh, le rêve. Ouais, bien sûr, carrément. Et depuis, vous vous produisez sur scène avec Beyoncé. On va regarder un petit clip. Et après, on parle justement de ce parcours incroyable des Twins. Du DVD Beyoncé Life is but a dream chez Sony et vous êtes dedans évidemment. Incroyable. Comment s'est fait la rencontre alors du coup avec Beyoncé? C'était pas sur les Champs-Élysées? En fait, on a commencé, on était. Déjà, j'ai payé un billet pour mon frère jumeau pour aller à New York pour un jour. Pas vrai, on travaillait avec Jay-Z déjà de base pour Rockaware. Non, mais il nous a remarqué là-bas. Non, elle a dit comment on a travaillé avec Beyoncé. Fais les choses normalement, tu vas pas te raconter. On a dit que vous étiez des jumeaux fusionnels, c'est pas vrai du tout. Faites comme mais si, mais il veut tout dire. Il veut tout dire. Mais non. Bah oui, bah tout dire, c'est une histoire facile. On l'a fait courte. Alors, on y va. 3, 2, 1, Beyoncé. On est arrivé à Times Square, on a commencé à freestyler parce qu'on est des Happy Feet, donc c'est la première fois qu'on est Times Square. Alors, freestyler et Happy Feet, déjà, arrêt sur image, traduction. En fait, c'est trop de... Non, mais nous, on a plus de 40 ans, hein, les gars. Mais en fait, Happy Feet, en fait, c'est une façon de dire tellement qu'on est content, en fait, on ne peut pas s'empêcher, on danse tout le temps, en fait. Donc, on a dansé. Quoi qu'il en soit, donc comme on a vu Times Square par première fois, on a dit, c'est trop beau. On se fait repérer sur les champs, c'est pas sur Times Square, on va pas se reconnaître. Donc, on a commencé à danser sans savoir qu'on était reconnu par le monde entier sur YouTube, qu'on était des baby famous. On a commencé à danser. Les gens, en fait, les policiers qui nous ont fait un cercle total, alors qu'on n'a pas le droit de danser sur Times Square sans licence. Ils ont laissé danser. Et puis finalement, en fait, la manageuse de Rockaware, c'est la marque de Jay-Z, qui nous a repéré dans Times Square directement d'en haut. Elle est venue nous chercher. Elle nous a dit Beyoncé, elle vous cherche partout. En anglais, bien évidemment, on comprend. J'ai entendu Beyoncé qui nous recherche depuis 2 ans. J'ai dit ouais, d'accord. Et tout simplement,
Le policier qui parlait espagnol, qui était très similaire au français, il a dit ouais. Bon, allez checker, bon, croyez-moi, il y a plein de policiers là-bas, il y a plein de sécurité, juste go check. Bon, vas-y, avec nos petits bagages, on a été directement. Non, mais c'était plus. Après, on a rencontré Jay-Z. Salut. D'accord. C'était lui. C'était lui, d'accord. Et un message qui venait du jour même et qui disait voilà, Beyoncé, elle me faut, elle me faut, ils sont où ? Je les cherche, je veux pas savoir. C'est dingue. C'est hallucinant, c'est juste ça. Les filles. Il y a vraiment une école française de la street dance. Qu'est-ce qui fait qu'en France, il se passe quelque chose à ce niveau-là ? Une école française. On a des champions de street dance français. Où ça ? Ah oui. Il y a plein de danseurs français de hip-hop. Non, il y a énormément de danseurs français. Je suis très content pour ça. D'ailleurs, les Français sont vraiment dans le top niveau danse en ce moment. Il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai qu'on est vraiment resté enfermé dans notre style parce que c'est comme. C'est comme quelqu'un qui a... Enfin, je pense pas avoir un talent. On n'a pas un talent. On a plutôt un gift. C'est dans le sens où, dans le don qu'on a, on n'a pas cherché à travailler à l'avoir. C'est vrai. Et... En français, don. Ouais, don, pardon. Et en fait, on sait qu'on n'a pas vraiment travaillé pour l'avoir. Donc, on ne veut pas trop se montrer. On ne veut pas trop donner trop. Non, mais faut travailler maintenant. Ouais, mais c'est que... Les gens, ils ont un style. Ils commencent à être un peu tous pareils. Mais du talent, vous en avez, vous êtes athlétique, vous êtes jumeaux, ça fait une bonne équipe, on vous a vu d'un incroyable talent, vous étiez incroyable. Mais ça fait quoi, sérieux, quand on se réveille le matin et on se retrouve en train de s'entraîner, de danser avec Beyoncé ? Parce que c'est quand même, c'est des shows à l'américaine, on n'a pas beaucoup de shows comme ça. C'est vraiment, le pire, c'est vraiment de savoir en fait le fait que les gens savent et connaissent notre travail et de montrer quelque chose de totalement nouveau tous les jours. Pas genre... à chaque concert ou à chaque mois, non, c'est vraiment tous les jours, on a quelque chose de différent tous les soirs. Parce que de Sarcelles jusque Beyoncé sur scène, ça fait un parcours de fou quand même. Ouais, pareil, j'y réalise pas encore en fait. Vous vous réinventez à chaque spectacle, hein, c'est de l'impro total. C'est dingue ça. C'est dingue. Vous aviez aussi remporté la finale du concours Juste Debout. J'aimerais qu'on en regarde un petit extrait pour nos téléspectateurs. Oh, le Juste Debout. C'est énorme, ce qui s'est passé, c'était même là, je suis en train de regarder, je me suis dit, mais putain, on a gagné, on a fait le championnat du monde. C'est énorme. Ce qui s'est passé sur cette scène, au Juste Debout, c'est encore plus incroyable que tous les autres, avec Beyoncé, avec Jay. Ça, c'était vraiment de la télépathie sur scène. On n'avait rien préparé du tout. Rien. On n'était pas prêt du tout. Mais vraiment, on avait juste faim. Tellement énervé de voir ma sœur pour la première fois qu'elle nous voir danser avec ma petite nièce. Il y avait mon coach derrière moi, il y avait ma sœur. Elle était enceinte de ma petite nièce. Et bien, vous allez réussir, on va faire. Ouais, mais on ne sait pas ce qu'on va faire, on fait juste danser. On a dit, ok, vas-y. Vous avez beaucoup de frères et sœurs, ils sont tous danseurs. Ah, on est neuf, en fait. Neuf. On est neuf, cinq garçons, quatre filles. Et ils sont tous danseurs, mais chacun dans une discipline différente. Mais personne ne fait du hip-hop. Personne. Et en fait, on a pris chacun un petit peu de salsa, un petit peu de modern jazz, un petit peu de jazz rock, un petit peu de dance africaine, zoo, dance soul. Et on a mixé un peu le tout avec des... Je sais pas, en fait. Et vous dites quoi aux gamins qui veulent vous ressembler? Parce qu'ils rêvent tous d'une histoire comme la vôtre. Vous leur dites quoi aujourd'hui? On leur dit que, franchement, danser avec vos problèmes, ça c'est un mensonge des professeurs qui disent « Laissez vos problèmes à la porte et reprenez la sortie ». Non, c'est pas vrai. Tu danses avec ta vie, tes problèmes de... Girlfriends, tout ça, tu mélanges tout et façon, et là, tu fasses des choses que tu vois, n'essaie pas d'être beau. Franchement, quand ça sort du cœur, c'est moche. Donc il faut absolument que ça sorte tout seul. Et si on est moche,
tous ensemble. Et tout à l'heure, vous allez nous faire une démonstration de danse pendant le face-à-face avec Amsatou. Audrey, tu avais une petite question à poser. Audrey, tu n'as pas posé ta question, vas-y. Ah non, non, vite, je voulais juste savoir comment se passait avec Beyoncé, les programmes, par exemple. Est-ce que tous les jours, vous répétez? Alors, vous faites des choses différentes, mais est-ce qu'il y a un entraînement sportif, par exemple? On sait que Madonna, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport tous les jours. Il y a des stars comme ça. C'était le cas à une époque de Whitney Houston. Évidemment, ça ne l'est plus. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement? C'est tellement beau de savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même, c'est une femme comme vous toutes. Et... sublime. C'est une femme comme vous toutes. Et elle veut tellement être pas parfaite, mais c'est. J'ai jamais eu quelqu'un qui travaille autant que moi dans ma vie. Je me dis toujours, moi, je ne suis pas quelqu'un qui dort. Je dors peut-être dans l'avion 2 heures. Elle ne repose pas sur son nom, en fait. Voilà, elle s'occupe de la lumière, elle s'occupe de sur scène les danseuses ou. Nous, ou le band, l'orchestre, vraiment tout, tu vois. Donc, quand elle est sur scène, elle dort pas. Elle sait très bien que tout ce qu'on va faire, ce sera totalement freestyle. Donc, sur scène, elle sera. C'est moi, je vais être la lumière. Mon frère, pareil, et elle, pareil. On est en train de se battre sur scène. Et ça, tu le sens et tu le vois, et c'est totalement. On est tellement à l'aise que tu verras, franchement, tous les soirs, pour toutes les femmes qui nous ont vus tous les soirs, parce qu'il y a des femmes qui nous suivent vraiment partout dans le monde, et c'est vraiment choquant. Ils ne voient jamais le même spectacle. Ça, c'est clair et net. Les garçons, vous allez rester avec nous. On va faire un petit peu de la cuisine et après, on fera un petit peu de danse avec vous. C'est à table avec Jean-Pierre Mocanet. Vous cuisinez? Oui, moi, je cuisine. Non. Bien sûr. Mais vous avez tout le talent. Allez-y, allez rejoindre Jean-Pierre. Là, je crois que c'est pas vrai du tout, mais c'est pas grave. Allez-y. Ouais, si ça vous fait plaisir. Oui, bien sûr. Moi, bon, je suis Happy Feet aussi, les gars, faites attention. C'est vrai. Tu pourrais nous faire un peu de hip-hop, Jean-Pierre, avec les tweets. Alors, pour vous mettre Beyoncé, vous n'êtes pas lavé, alors vous allez me regarder pour vous mettre Beyoncé dans la poche. On peut lui faire ses petits artichauts poivrades, parce que c'est le bon goût français, et ensuite c'est très light si elle fait attention à ses formes. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est pas les spaghettis bolognaises. On prend ces petits artichauts. Les artichauts, d'habitude, ils sont gros, bretons, et on les mange avec de la vinaigrette. Alors, ceux-là, on va d'abord les éplucher un peu comme une pomme, c'est-à-dire qu'on enlève les feuilles. Ça sent fort quand même. Ça sent fort? Ouais, un petit peu. Ah bon? Vous n'avez pas le nez léger? Non. Moi, j'ai. Et ensuite, on va les éplucher comme ça, avec un petit couteau. Voilà. On enlève les feuilles. Voilà. On continue. Jean-Pierre, si tu te coupes, je te signale que c'est aujourd'hui la journée mondiale des infirmières. Ah oui. Oh, oui, c'est vrai. Et oui, Roselyne, un voilà. Petit coup d'œil. Ensuite, petit clin d'œil, on va enlever infirmière. Le haut, voilà. Et on donne ça. Et alors, comme on les prépare à l'avance, il faut faire attention parce qu'avec l'air, ça va s'oxyder. Donc, il faut les mettre tout de suite, les plonger dans de l'eau avec du citron. Et ensuite, alors, vous voyez, les artichauts, ça fait beaucoup d'épluchures. On enlève ça. Et ensuite, on prend notre artichaut, on le coupe en deux. Ouais. On fait attention, s'il y a un peu de foin ici, on l'enlève un peu comme ça, oui. Et ensuite, soit on le coupe au couteau, soit on prend une mandoline. Mandoline, c'est pas pour jouer de la musique, hein. Oh. C'est pour. Et attention. On peut. Et là, on fait attention. On peut. Et là, on fait attention parce que les doigts, on peut y laisser. Et avec la paume de la main, comme ça, on fait glisser délicatement l'artichaut. Attention. Et on va avoir des petites lamelles d'artichaut comme ça, et on va en faire un petit carpaccio. Voilà. D'accord. C'est tout simple. C'est très très léger, ça. Ah bah c'est super léger, Beyoncé. Voilà. On va goûter. J'ai commencé à le préparer. On va rajouter quelques petites feuilles de roquette autour pour faire un peu de verdure. Voilà. On a mis un peu d'huile d'olive et de citron, poivré salé. On met quelques petites olives taglièche, des petites olives italiennes. Et puis on finit, on prend un petit économe comme ça. Et avec un peu de parmesan, on fait des tout petits morceaux de parmesan, des copeaux de parmesan par-dessus. Voilà. Et voilà comment on a. Je sens qu'ils ont faim là. Tout est fin, mais... Non, mais voilà. Tout est super fin en fait. C'est voilà. Bizarre. C'est trop facile. Et un tout petit peu de persil. Et messieurs, ça c'est Larry. Et Laurent. Bravo. Voilà. Et vous pouvez goûter. Et le verdict des Twins. Non, je te fais pas confiance. Ah. Sympa le mec. C'est bon. Ça alors, passe. Ça m'a l'air. Pas c'est mal. Bon. Tu vas pas s'étouffer? Non. Exact, non. C'est frais, cru. C'est bizarre, c'est cru. Mais oui. C'est génial. Mais oui. Bon, voilà, la recette de Jean-Pierre Montanet. Dans un instant, revenez après la pub. Larry et Laurent vont nous faire une démonstration de hip-hop. Il y aura aussi le face-à-face avec Absatou. A tout de suite, juste après la pub. Dans le Grand 8, on est toujours avec nos invités, les Twins, Larry et Laurent Bourgeois, avec plein de petits tweets qui nous arrivent, qui vraiment saluent votre talent. Et maintenant, c'est l'heure du face-à-face avec Absatou. Ça va danser.
à droite et un à gauche. Waouh, ça y est, j'ai déjà chaud. Alors j'ai entendu dire qu'on ne pouvait pas vous chorégraphier parce que vous faisiez beaucoup d'impro. Alors là, je vais vous demander de faire de l'impro pour moi. Moi seule, parce qu'il n'y a personne ici, il n'y a pas moi. Pardon. On a bien ces miniatures là, attention. Non, mais vous allez voir. Oh, j'aimerais bien. Mais, Beyoncé, The Monster, vous l'appelez. Monster. Je sais tout, je vous ai dit. Alors, vous allez me faire une petite impro sur mon chanteur préféré. Dès que j'entends une première note, ça me fait toujours des frissons. Michael Jackson. Vous savez. Yeah. Mais lequel? Je commence. C'était pas mal, moi je m'attendais à mieux, mais bon. Bah, attends. Normal. Évidemment, vous allez me donner un peu plus encore sur Beyoncé. Oh, single ladies! L'occasion de découvrir les Twins comme on ne les a jamais vus, sur un air complètement différent de votre registre. C'est pas possible. Vous avez les chocolats là? Pas possible. Envoyez-moi le son sur Vivaldi. Génial, génial. Allez, là on va se marrer un petit peu. On va se marrer, juste pour rire. Patrick Sébastien. Oh, c'est génial. Il fait chaud. Rose la connaît par cœur. C'est parti. Il fait chaud. Non, allez, on va être plus sérieux. Moi, je veux du lourd, je veux du vrai rap. Je veux du gangsta. Du gangsta, you know my steez. On finit en beauté ou pas? Hein? Allez, on finit en beauté sur du breakbeat. J'adore. Incroyable. Oh, j'adore cette musique. Merci.
Twins. On peut les retrouver dans ce DVD. Merci à vous deux d'être venus. Enchantée cette émission. C'était un immense plaisir de vous accueillir pendant ce moment où vous êtes en France. Vous partez où là? Où est-ce que c'est votre prochaine destination? Manchester, ouais. Londres, Italie, Dubaï, Japon, l'Inde. Bon, bravo à tous les deux. Merci à vous d'être venus aujourd'hui dans Grand 8. Merci les filles, j'étais très contente de vous retrouver aujourd'hui. À demain, on sera en direct avec la comédienne Frédéric Bell. Bonne journée chez Grand 8. Et à tout à l'heure, 18h sur la télé. Bye bye.